huku unarwindi sasa, unarwindi adui kule mbele mefentrua hatari kabisa. Kibana bana fare anashimama mustrashi, kibana fare, kibana fare na rwindi bazana trashi. Ona kule mbele adui ule anaanza sukuma mabombe abasoda bama vya sabane. Kuna nase kibana trashe fare rwindi park. Sasa vile vimaikla vinakuyaka kale ni kaikla kaile bombe ile ikla inatoka mwile bombe sinjo zina katakata mufuna kwa inakuwa ikenge mutusi waneza kibana fare bako mutrashe kabisa premier linye na trashe ya rwindi. Kiba mouvement à faire force d'action rapide. Adui kona nyemerea. Adui njo ule kule mbele anajipanga mustari kabisa. Anajipanga sana kabisa. Bitumba ya rwindi inakuwa nguvu komanda. Njo fare ile. Ndio. Tunaona kabisa premier line trashe ya kwanza. Oui. Le père Kajima. La première ligne à Rwind. Rwindi. Kibana Rwindi. Première ligne. Première ligne Kabisa. Nasikia kabisa masasi kule ni hatari. Kibana Fande Kiriku. Nikuinda mabe. Mabe penza wana rwindi. Kibana Fande. Uzana rwindi kabisa. Pour un Congo retrouvé, les dames et messieurs, ensemble nous ferons que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo d'une manière désirable et enfin nous vivrons la paix pour toujours. Ce matin sur Congo Live Télévision, nous avons l'honneur de recevoir M. Moïse Hangui, qui est analyste indépendant, citoyen congolais, acteur de la société civile et un chercheur, on peut dire, un scientifique, aujourd'hui un philosophe, que nous recevons aujourd'hui pour en discuter de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Monsieur Moïse, bonjour, c'est samedi et bienvenue sur Congo Live à Télévision. Bonjour David, bonjour tout le monde. Je préfère intervenir sous la casquette d'un jeune habitant de Goma et de Muzalendo. Je me limite par là. Évidemment, j'ai d'autres rôles, d'autres casquettes. Mais pour les cas de figure, j'interviens en tant que Muzalendo. J'interviens en tant que jeune habitant de Goma, habitant de la province du Nord Kivu et qui vit au quotidien cette situation macabre de guerre. Je salue évidemment tous ceux qui nous suivent de partout à travers la République démocratique du Congo. Je sais que nos téléspectateurs sont très nombreux de partout à travers notre pays, à nous tous, le Grand Congo. Bonjour aussi à ceux qui sont dans la diaspora congolaise. Ils sont nombreux en train effectivement de se préoccuper de la situation très alarmante qui se déroule ici à l'est de la RDC. Très chers frères et sœurs, très chers compatriotes de père et de mère, bonjour. Sans oublier ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, au Brésil. Vous êtes aussi en Asie, partout à travers le continent africain. Ensemble,
Nous sommes en tout cas de cœur en dépit de la distance. Nous réalisons aujourd'hui 30 ans depuis que la guerre a commencé dans l'est de la République démocratique du Congo. D'après plusieurs rapports, plus de 13 millions de personnes à l'est du pays ont perdu la vie. Et aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser que c'est assez. Ma première question, Monsieur Moïse, est de savoir, comme acteur de la société civile, quels sont les secrets que les Congolais ne savent pas autour de l'enjeu de cette guerre dans l'est du pays? Pour notifier bien, vous êtes né et grandi dans la guerre. Quelles sont les réalités qu'aujourd'hui, les gens ne sachent pas peut-être sur la guerre dans l'est du pays? Pourquoi ça persiste? Alors, ce qui est sûr, c'est que vous l'avez, je m'excuse, vous l'avez très bien signalé. Cette guerre nous a coûté, nous a coûté beaucoup de choses en fait. C'est déjà près de 30, une trentaine d'années que l'Est de la RDC est en proie aux exactions perpétrées par les forces armées étrangères et qui continuent effectivement à nous piller systématiquement en massacrant inhumement nos compatriotes. Je pense que j'ai eu aussi à participer, je suis né ici dans la province du Nord Kivu, j'ai aujourd'hui pas mal d'années et je pense aussi avoir vécu effectivement les plus grands moments douloureux de cette guerre. Je vais vous dire ici qu'il y a eu effectivement tout ce que tout le monde sait avec les RCD, les CNDP, le M23 première version et aujourd'hui le M23 deuxième version. Et tout ça, nous comprenons juste qu'il y a quand même certains éléments qui ressortent. Notamment le pillage des minéraux, la recherche des identités et surtout effectivement la manipulation étrangère ou effectivement le comportement l'Occident tendant à vouloir balkaniser c'est cette partie est de la RDC. Donc ce n'est pas quelque chose qui est né aujourd'hui, c'est depuis longtemps que l'Occident, les impérialistes ont tenté de balkaniser l'est de la RDC, de diviser le Congo et associer cette autre partie, effectivement, au Rwanda et à l'Ouganda. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est en fait le Rwanda et l'Ouganda qui sont les boucs émissaires de l'Occident et de ses impérialistes. Non pas parce qu'ils bénéficient en grande partie de ce qu'ils pillent ici ou de nos compatriotes qui sont en train de massacrer, mais plutôt parce qu'ils se transforment en des marionnettes qui sont utilisées par l'Occident. Alors, je voudrais donc dire que cette guerre, ça suffit, mon cher. 30 ans, ça suffit. Nous sommes vraiment fatigués. Nous avons besoin maintenant de la paix. Nous voulons respirer effectivement la paix parce que on a longtemps pleuré. Nous avons perdu beaucoup de nos compatriotes. Beaucoup de soldats sont morts dans cette guerre. Vous vous rappelez, nous avons connu même des vaillants qui ont fait preuve effectivement de la détermination et qui ont défendu valablement le pays. Je parle ici de Mamadou Ndala, je parle ici de Bauma, je parle ici de tous ces héros, tous ces Wazalendo qui ont combattu pour que nous puissions mettre un terme au M23 première version en 2012, qui était effectivement aussi une forte menace contre l'intégrité du territoire national. Alors, quelle vérité, qu'est-ce qu'il faut dire ou quel enjeu est derrière cette guerre? Bon, je l'ai dit très clairement, c'est que nous faisons face à des gens qui ne girent qu'à balkaniser l'est de la RDC. D'abord, le plus grand objectif des ennemis de la RDC, ils veulent à tout prix balkaniser cette partie orientale de la République. Deuxième chose, c'est qu'ils revendiquent par moment des choses qu'on ne peut pas admettre. Quand par exemple le régime rwandais dit qu'il a des terres au Congo, moi je me dis que ça c'est une vaste blague, parce que les frontières n'ont pas été tracées par Moïse ou par David, encore moins par le président Tshisekedi, c'est par les colons, et au moins tout le monde sait où se trouve la frontière entre la RDC et le Rwanda. Si nous avons un grand pays, le problème n'est pas à nous, c'est en fait un dos, c'est un héritage qui nous a été légué par les ancêtres et par effectivement les colons. Deuxième chose, ils disent que non, il y a des communautés qui sont marginalisées ici à l'Est, ce qui n'est pas vrai. C'est depuis longtemps que ce débat-là surgit. Oh, les Tutsis sont vraiment marginalisés en RDC. Alors que aujourd'hui, je vais vous dire que ce ne sont pas les Tutsis qui sont en train d'être massacrés. Pas vraiment. C'est plutôt des compatriotes de Masisi, des compatriotes de Rutshuru et de Nyiragongo qui sont victimes, effectivement, de ces bombardements. Je n'ai pas encore vu les rebelles du M23 larguer des bombes
en ciblant les zones qui sont effectivement occupées par nos compatriotes et Tutsis. Je ne suis pas un tribaliste. D'ailleurs, moi-même, même à l'université, on est avec, nous sommes ensemble avec ces gens. Même dans nos quartiers, nous vivons en harmonie avec nos compatriotes Tutsis. Vous comprenez que c'est un discours qui ne vaut plus la peine et qui n'a pas son pesant d'or. Une autre chose que ces gens essaient un peu d'évoquer comme alibi, c'est de dire que non, le gouvernement congolais leur doit des choses. Et ça, c'est avec tout ce que le président Kabila avait fait. Mais nous, nous disons qu'on ne peut pas continuer à faire pourrir effectivement l'avenir de notre pays. D'abord parce que, par exemple, le président Kabila est parvenu à les promettre des choses. Je veux dire, il leur a promis ce qu'on ne peut pas promettre. Ça veut dire quelque chose, aujourd'hui par exemple, vous vous rappelez, le chef de l'État, Kabila, avait accepté que des militaires rwandais intègrent nos forces armées et de défense, ce qui est à la base aujourd'hui de la fragilité de notre appareil sécuritaire. Il a admis qu'on mette un chef d'État-major des FARDC rwandais au sein de nos services de défense et de sécurité, James Kabarebe Consort. Il y a même des Rwandais qui ont eu des portefeuilles de l'État. Mais est-ce que Kagame pense qu'aujourd'hui, notre génération est aussi prête à accepter ce genre de blagues? Non, nous ne pouvons pas le faire. Nous pensons plutôt que ces compatriotes qui sont décédés depuis toutes ces années, un jour, leur sang se vengera. Un jour, justice sera faite en leur faveur parce que ce sont des innocents. Vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement à Mugunga. Est-ce que vraiment quelqu'un de pareil? Donc, pour revendiquer quelque chose, il faut massacrer même les déplacés de guerre qui ont fui leur village et vous les poursuivez même de là où ils sont. Et vous pensez qu'on peut vous considérer comme quelqu'un de sérieux. Bref, je crois que les grandes vérités qu'il y a derrière cette guerre, d'abord, c'est que nous connaissons les vrais ennemis. Ça, c'est le premier enjeu. C'est les impérialistes qui sont en train de manipuler certains pays voisins, à l'occurrence du Rwanda et de l'Ouganda. Deuxième chose, c'est que ils girent à balkaniser l'Est. Ils sont à la recherche tout de même des minerais stratégiques parce que nous en avons autant. Le Rwanda n'en a pas. Voilà, par le moment, il faut massacrer les gens, il faut créer effectivement des situations qui vont les permettre de se retrouver. Et petit à petit, ils sont en train d'aboutir à leur objectif mesquin parce que présentement, ils sont en train d'exploiter Rubaya. C'est Kagame qui, effectivement, envoie des éléments là-bas, véhicules et consorts, et qui sont en train de piller systématiquement tous les minerais que vous connaissez à Rubaya. Ça, c'est ce que nous sommes en train de déplorer avec la toute dernière énergie. Parce que je pense que c'est possible d'avoir accès à nos minerais sans pour autant massacrer des gens. C'est possible d'avoir accès aux richesses de la RDC sans pour autant nous faire la guerre. Mais à la fois, je crois aussi qu'il y a un problème aussi lié effectivement à la responsabilité du gouvernement. C'est quelque chose que rare des gens évoquent, mais je crois qu'il faut qu'on en parle avec le Alors, taux le plus ferme. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, nous sommes victimes d'une agression effectivement étrangère. Et nous connaissons déjà notre ennemi. Nous sommes un État souverain. Ça veut dire que nous avons une armée, nous avons des institutions. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour nous défendre. Mais on a comme l'impression que les acteurs politiques se limitent à faire juste des discours, alors que l'air est grave, la situation s'empire de plus en plus. Aujourd'hui, nous devrions refléter cet état de guerre dans lequel nous sommes. Au besoin, les chefs de l'État devraient même déclarer la guerre directe contre les ennemis de la République. Et ils sont connus. Mais je suis jusque-là, C'est même ce qui par me fait de là, voir que le chef c'est de même par l'État là. se limite à faire des discours. Il a menacé de faire cette guerre au Rwanda. Il a dit que si du moins l'escarmouche est constatée, déjà Kagame aura déjà franchi la ligne. Mais Excellence, l'escarmouche est déjà franchie. On a massacré déjà à Goma. Nous les avions enterrés très dernièrement. Vous voyez les images. Ça, c'est au cours de l'événement que nous avions organisé ici à Goma. Nous avions enterré dignement nos compatriotes. Ça, c'est l'escarmouche parce que des compatriotes qui sont décédés dans les cas de déplacés. C'est Tout ce même que par là. vous voyez là-bas, c'est des compatriotes Merci qui mon ont frère été Rangier. tués. C'est même par là où, depuis des semaines, ils ont entendu qu'il y a dans les territoires des retours où les forces armées de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle, nous disons d'abord merci d'avoir accepté notre invitation. Parce Merci qu'au mon cher, travers merci de ce aussi c'est canal, toi. nous avons toujours eu des précisions exactes sur les faits et tout ce qui se passe dans la région.
Alors, ici, c'est dit qu'après la libération de la cité de Kibirizi et Vichumbi, plusieurs localités ont été libérées ce vendredi par les FRDC et les Wazalendo. Les agglomérations de Mutuza, Mbizo, Bukuba, Kasasa, la localité de Rwindi est aussi sous contrôle de la RDC, c'est-à-dire de FRDC, Force armée de la République démocratique du Congo, depuis ce vendredi soir. Alors, certaines personnes font savoir que c'est faux. D'autres personnes font savoir que c'est vrai. Alors, vous êtes de la société civile. Exactement, vous avez la vérité autour de cette situation. Dites-nous, est-ce que Windy, Vichumbi et ses agglomérations, comme nous l'avions vu dans la vidéo dès le début de cette émission, les Ouazalendo sont en pleine cité de la Windy, c'est-à-dire en pleine Windy? Est-ce que c'est la vérité ou qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui face au FRDC? Merci pour la préoccupation. Je crois que c'est aussi la raison de notre présence ici, parce qu'aujourd'hui, vous savez, nous faisons face effectivement à une pollution de l'espace, je vais dire numérique, à une pollution de la communication, à une forte manipulation qu'il y a sur Internet. Et ça, c'est par moments quelque chose qui joue à notre défaveur. Moi, je vais vous dire ici que nous sommes de ceux-là qui suivent de près cette situation. Nous sommes en parfaite communication avec nos compatriotes qui sont partout à travers les trois territoires, Rutshuru, Nyiragongo et Masisi. Alors, ce qui est vrai, c'est que présentement, les affrontements se poursuivent dans les territoires de Rutshuru et dans les territoires de Masisi. Pendant que dans les Masisi, les rebelles occupent effectivement la cité stratégique de Baya. Rubaya, mais dans d'autres agglomérations environnantes, il y a des accrochages entre le M23 bar RDF et les compatriotes Ouazalendo. S'agissant du territoire de Rutshuru, qu'est-ce qui se passe? Tout au long de la journée d'hier vendredi, les compatriotes Ouazalendo ont vraiment lancé des attaques ciblées contre l'opposition des rebelles du M23 au point de récupérer une grande partie de Vichumbi. Ils sont parvenus même à poursuivre l'ennemi Rindy. dans les Rwindi au point maintenant de neutraliser plusieurs éléments du M23. C'est peut-être pour des raisons de secret défense et consorts, mais on allait balancer ces images ici où des militaires en tenue RDF, des militaires, des éléments du M23 en tenue RDF ont été tués par nos vaillants résistants patriotes Ouazalendo. Donc moi, personnellement, je les encourage, je les invite à ne pas croiser les bras et à faire ce travail-là. Retenez, présentement, ça se passe bien au niveau, effectivement, de Rwindi et même dans les localités environnantes. Alors, il a été aussi entendu qu'il y a des embuscades qui continuent à être tendues au M23 par les Ouazalendo, par les FRDC et tout Donc le c'est une bonne reste. chose. Moi j'ai Il y encore a des des ils l'ont positions des fait M23 qui sont dernièrement, aujourd'hui récupérées par le FRDC. Comment ça se passe? mon cher. Ceux qui sont en train de plutôt ceux qui sont en train de se battre très bien présentement, c'est les Ouaza, mon cher. Les Ouazalendo? Ouais, les Ouazalendo, c'est d'abord et qui sont sur la première ligne de front. Le FRDC vient en second lieu. C'est pas la SADC? C'est la SAE, ce sont des aventuriers, ils ne font rien, mon cher. Ils sont en train d'observer une forme de cessez-le-feu. Ils s'interposent par moments entre le FRDC et le Ouazalendo comme pour leur interdire de faire les attaques en évoquant ce qu'ils disent comme ce qu'ils brandissent comme état clause entre les chefs d'État et de gouvernement, alors que d'aucuns ignorent que les processus entrepris effectivement ça et là par le gouvernement congolais et les facilitateurs ont accouché d'une souris. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya, l'a dit très clairement. La RDC, d'ailleurs, menace de se retirer dans les processus de Luanda, de Nairobi, de Bujumbura et consorts. On l'a même demandé, est-ce que le président Tshisekedi va-t-il rencontrer Paul Kagame? Vous avez suivi ce qu'il a dit. Donc, c'est révolu. Il y aura plus, effectivement, ces tête à tête. Donc, moi, je crois aujourd'hui, le Ouazalendo incarne les saluts de la nation. Le Ouazalendo incarne aujourd'hui l'espoir du peuple congolais aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Encore que vous savez que ces jeunes sont animés par l'indignation.
Ces jeunes sont révoltés de la souffrance que nos populations sont en train d'endurer. Voilà pourquoi ils se sont décidés de défendre valablement le pays. Et c'est constitutionnel, messieurs les journalistes. Ça aussi, c'est important de le préciser. L'article 64 est très clair quant à ça, messieurs les journalistes. De la Constitution congolaise. Effectivement, de la Constitution congolaise. Pour dire, aujourd'hui, il y a lieu de soutenir ces voisins. Il y a lieu de les accompagner, de les motiver et d'espérer effectivement à une issue favorable. Et très chers compatriotes, je sais que vous êtes nombreux en Europe, vous êtes en France présentement en train de nous suivre, vous êtes en Allemagne, vous êtes à Londres, vous êtes, je ne sais pas, au Canada. Je vous assure qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont en train de se battre, qui sont en train de faire effectivement un travail de titan. Et ces jeunes ont besoin de votre accompagnement. Ils ont besoin effectivement d'une simple motivation de votre part pour qu'ils accomplissent favorablement le travail qui est le leur. Nous avons d'autres partenaires évidemment qui sont sur le territoire congolais, notamment la SADC, la MONUSCO d'ailleurs qui est en train de partir, et d'autres interventions, d'autres troupes qui sont sur place. Mais je vais vous dire, personnellement, les constats que j'ai réalisés, c'est que d'abord, ce sont les Oisaliens qui sont en train de se sacrifier énormément et nous devons les soutenir. Retenez donc qu'il y a poursuite des affrontements dans les territoires de Rutshuru à l'heure où je vous parle. Vers la fin de la coopération militaire entre les UPDF et le FRDC, les renseignements congolais ont récolté des preuves de l'implication de l'armée ougandaise aux côtés de leur allié terroriste M23. Ces preuves viennent confirmer les accusations de la population locale qui avait déjà alerté sur le soutien de l'Ouganda aux rebelles du M23. Le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi décide de mettre fin aux opérations conjointes entre le FRDC et l'UPDF, la société civile. On allait faire ça depuis longtemps, mon cher. Nous, on avait demandé au chef de l'État de retirer ses troupes de l'UPDF sur le territoire congolais. En tout cas, bon, tant mieux, on est un peu soulagé, mais je crois qu'on a retardé les choses. Parce qu'on a compris qu'ils ne nous ont aidés à rien, en fait. Depuis qu'ils sont là-bas, on massacre déjà à Beni. Mon cher, on aura tout vu dans ce pays. C'est même pendant que les ADF massacrent déjà au niveau du Grand Nord. Il y a maintenant les M23 qui continuent à massacrer les populations et à larguer des bombes ici à Goma. Ils sont en train de piller ailleurs. Il y a encore les Codeco et consorts qui sont en train de tuer les gens en Ituri. Mon cher, qu'avons-nous fait? Ni totalité pour que nous puissions mériter ceci, mon cher. Je crois qu'il est temps de nous débarrasser de ces troupes de l'UPDF qui ont lamentablement échoué à sécuriser la partie nord de la province du Nord Kivu, en dépit effectivement de tout ce qu'on leur a donné comme effectivement objectif et prérogative. Il est temps de nous débarrasser de ces... Je considère que ce sont plutôt des ennemis de la République, ce sont des touristes. Nous n'avons plus besoin de l'UPDF sur notre territoire. L'opération Souja a lamentablement échoué. Ils sont plutôt en train aussi de piller les cacao, mon cher. Donc au Grand Nord, l'UPDF massacre les populations et pille les cacao. Ici, au Nord Kivu, au Grand Nord, toujours dans la province, ici, dans le Petit Nord, effectivement, au niveau des Massissi, c'est les M23 qui pillent les minéraux, les coltans, les cobaltes, les manganèses et consorts, et massacrent les populations. Mais finalement, nous, qu'avons-nous fait, mon cher? Je crois que nous devons nous assumer. Et ça, c'est d'abord la responsabilité première du gouvernement et du chef de l'État. Si ça ne dépendait que de moi, Moïse, présentement, je n'allais que signer effectivement le départ de ces touristes sur le territoire congolais. C'est simple que ça. C'est la fin donc de cette émission. Les dames et messieurs, nous vous disons merci de votre fidélité depuis les débuts jusqu'à la fin de cette émission. Vous étiez fidèles afin de nous suivre pour être actualisés. Nous allons finir par votre numéro, monsieur Moïse. Merci David, merci tout le monde pour l'intérêt que vous avez envers nous. Vous avez suivi l'émission depuis le début, nous vous en remercions infiniment. Nous espérons que vous avez des commentaires, vous avez des suggestions. Peut-être on n'a pas tout fini, on n'a pas, la matière est très abondante, mais l'état est vraiment limité. Nous sommes à votre entière disposition pour d'autres détails, des informations similaires. Vous avez besoin d'avoir plus d'informations par rapport à ce qui évolue ici. Nous sommes là pour ça. Veuillez nous écrire, veuillez nous joindre au plus 243 99 25 42
946, je réitère le même numéro à retrouver sur WhatsApp, plus 243 99 25 42 946. Mesdames et messieurs, heureux week-end à vous, monsieur Moïse. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. J'étais Youssoufou Kibingila David sur cette présentation. Nous disons merci et à ce lundi pour d'autres actualités. Merci David, Inch'Allah.